Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode d'Afterfall Insanity. Pour passer le passage que j'arrive pas à passer à cause des QTE et du camion. The things the colonel told me. Voici la balle. He said you're dangerous and you have to be stopped. Ils arrivent à tirer, mais moi je ne sais pas viser. Donc je suis stressée. Attendez, on va achever celui-là. Tu rêves de me tuer. Ça suffit. Voilà, lui il est fini. Lui, je pense qu'il est fini aussi. Parce qu'il a pris un gros coup sur la tête. Donc voilà, il faut ramasser le pistolet. Il faut récupérer des cartouches. C'est parfait, donc il n'en reste que 9. Ensuite, j'aimerais une arme. Donc on va ramasser ça. Et ça, bon, j'ai pas le truc pointu. Remarque, ça c'est pointu, hein. C'est un gros truc avec des traces et tout. Avec des traces, avec des pics qui dépassent, donc voilà. Pics et dépassent, ça donne ce que j'avais dit. Bon. Cette fois... On va le faire en silence, comme ça. Ok, je me concentre, j'appuie sur D volontairement. Ce camion va passer sa vie à nous écraser. Nous allons passer notre vie à nous faire écraser par ce camion. C'est absolument terrible. Je vous jure, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Je comprends absolument pas pourquoi je me plante là-dessus. C'est juste pas compréhensible. Ça va toi de me taper sur la tête et tout? T'as pas honte? Est-ce que tu es bien mort? Je ne veux pas que tu te relèves. Merci. Alors, on a ramassé le pistolet. On recharge. On prend encore des munitions. Et on prend cette arme. Et attendez, on va attendre d'avoir une vie à 100% et de ne plus avoir peur pour affronter le camion. Peut-être qu'on mourra moins vite quand je ferai n'importe quoi. Chut. C'est bon, il est redevenu vert. Hop. On va éviter de se fatiguer en courant, donc on va y aller à vitesse normale. Et on va y arriver. C'est SQD, je crois. Après, N0, je sais pas ce que c'est. Déjà, là, c'est S, ça me fait. Zéro, mais je sais pas ce que c'est une zéro, donc Ah bah attendez, on a un problème, d'accord. Si je n'appuie pas sur N0, alors je vais chercher ce que c'est, à tout de suite. En fait, il n'y a rien sur internet, alors on va le chercher ensemble. Comme ça, vous verrez en même temps que moi. Option, si jamais vous avez le même souci, control, keyboard. Ouais, bien sûr. Pas de N0, là. De N0. Il n'y a rien sur internet. Ok, je vais continuer à chercher. Bon, bah écoutez, j'ai cherché ce que ça pouvait être, mais j'ai rien trouvé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous couper cette scène-là. Parce que vous l'avez vu des centaines de fois et ça va être chiant pour vous. Et je vous reprends au passage du camion et je vais essayer toutes les touches de mon clavier jusqu'à ce que ça fonctionne. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, nous voilà au passage du camion. Alors, V.
Cette fois, on connaît les QTE par cœur. S, non, milieu, gauche, droite. Excusez-moi, je vais me planter encore une fois. Donc cette fois, on fait le S correctement, si possible. Go! Maintenant, numéro 0. What is this? D'accord. On a réussi. Ok. J'ai appuyé sur 1, 2, 3 à gauche en même temps et sur 0, 4, 5, 6 à droite en même temps. Je ne sais pas quelle est la bonne touche, mais si vous faites ça, ça marchera. Donc c'est parfait, c'est très bien. Profitons-en. Voilà. It's probably not the best moment for such considerations. But I just had a forced session with one of the most interesting patients in my career. The saboteur from Glory not only managed to get out before everything went to hell, but he has followed me all over the surface ever since. It looks like a typical case of hypomania, an obsession with a particular person. In this case, the therapist. I remember his voice from the shelter, a session not long ago. I'd have noticed odd behavior back then, so his deterioration must have been rapid and recent. Curious that he justifies his actions with the necessity for social transformation in his shelter. With destruction, he brought change, which I, as a scientist, would have never been able to bring. Not too subtle, but efficient. Yet the price was too high, and there's one major flaw with his plan. In the shelter, there's no one left to change now. Idiot. En sachant que c'est le 1 en haut à gauche de mon clavier qui a reçu la pression en premier, je pense que c'est celle-ci. Mais bon, ouais, j'ai vraiment essayé pas mal de trucs en même temps. Chargement. Très bien. Ok. Je sais pas où on se retrouve du coup. Mais il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'ils avaient vraiment pas l'air contaminés, les gens, en fait, quand... Chapter 17, Edge of Humanity. Est-ce qu'ils vont essayer de m'attaquer? Je peux pas l'attraper, le journal. Est-ce qu'on peut le lire? Oh, c'est un langage inconnu. Il me regarde. Faut-il que je vous tue? Ils sont pas infectés. Now come inside. Eux, ils ont des gaz, des masques à gaz et tout. Dans quoi est-ce qu'on est tombé encore? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Une note. Welcome. Comme ça, note. Vite, 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 vite. You can leave your weapons here. Vieux journal. Chine, Japon. Un nouveau tournant en Asie. Un overall, je sais pas ce que c'est. Des heures à Tokyo après l'annoncement la semaine dernière concernant la déportation de citoyens chinois du Japon. What? Le gouvernement chinois critique que c'est une nouvelle démonstration de l'agression impérialiste contre les minorités du pays. Ok, je vous mettrai la traduction. C'est bon, c'est plié. Hop. Faut que je dépose mon arme. J'ai pas très envie. Sinon, j'ai pas trop le choix. Ah oui, pour avancer, d'accord. Ah oui, ok, donc je dépose mon arme. You must be tired. This is all a bit too much to chew. Ils sont bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Suivez les guides. Je suis totalement amoureuse de ce jeu. Je vous le dis tout de suite. Please try to understand. This place is a permanent war zone. We've offered them help, but they haven't been too cooperative. In the end,
we were forced to lock this area down. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Just share one meal with us. Here. Bah dis donc, il avait faim, Monsieur Tokai. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Planche de bois. Je me demande si on n'est pas complètement fou en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout ça, c'est vraiment pas uniquement dans notre tête et que en fait, y a rien. Parce que c'est vraiment spécial. Ça me paraît pas possible. Un homme avec une hache. Clé, ok. Non, je voulais ramasser la hache. Non. Ah, j'ai mis ses habits. Waouh. Ah bah dans la démo, voilà, c'est le passage où on passe à la seconde. Mais on ne voit pas ce passage, mais on a ses habits là dans la suite. Vous voyez, on est vachement mieux et tout. Ça veut dire qu'on arrive à la fin du jeu et que vous allez voir les trucs épiques que j'avais pu voir et tout. Et franchement, c'est génial. Jouez à ce jeu. Vraiment, il est magique. C'est un jeu, c'est une petite merveille. J'avais lu que c'était une anthologie du survival horror. Et bah c'est vrai, parce que franchement, il est génial. À jouer encore plus qu'à voir, donc... Je vous le conseille et j'arrête de m'emporter parce que vraiment il est waouh. J'ai pas de mots, j'avais trouvé la démo géniale mais plus j'y joue et plus je l'aime en fait. Donc vraiment c'est un bijou. Checkpoint activated. Oh, regardez l'âge de barbare. Pourquoi une cage? Qu'est-ce qui m'attaque? Tu m'attaques toi? Ouais, t'as l'air un petit peu infecté aussi. Tu es un petit peu boursouflé et tout. On se croirait dans les cages de gladiateurs. Attendez, je l'achève. Voilà. À toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on m'a mis dans une espèce d'arène? Ah! Arrête de m'attaquer. Oh, vous mettez pas à deux contre moi. Voyons. Quand même. De quoi est-ce que vous avez peur? D'un petit docteur? Hein? Bah, je comprends le checkpoint en fait. Je vais juste mourir lamentablement. Ok alors. On se le fait. On bloque. On décapite. On bloque. Vas-y. Rebondis sur moi. Allez. Coup de grâce. Hop! Voilà, très bien. Et là, la grille s'ouvre. On fera la liberté après le dur combat. Si vous pouviez arrêter de m'attaquer le temps que je récupère un peu de vie, je vous en serais extrêmement reconnaissante. Mais meurs, toi, meurs! Voilà, merci. Une échelle. Ouais, je vous propose qu'on prenne l'échelle. Mais qu'on attende de plus avoir peur, parce que là on est terrifié. Et du coup je vais prendre plus de dommages sur ma tac et je vais rien y voir. Parce que ça va être tout flou. Là voilà, là on peut monter. Et là on monte. C'est magique. Ce jeu est magique. Je comprends pas qu'il ait pas été aussi connu. Avec l'attente qui est procurée par Outlast. Et ce jeu à côté... Je ne comprends pas qu'il soit totalement méconnu. Vraiment, ça me dépasse. Ah. Si Outlast est attendu, ce jeu devrait être super connu. Vraiment, ça me dépasse complètement. Il est juste époustouflant. Ils ont encore les statues, là, comme ça. Décapitées, je suppose, celle-là aussi. Et hop. On s'arrête au prochain checkpoint. Qu'est-ce que c'est pour monter? D'accord, c'est pour monter. Nous ne sommes pas encore à la surface, mais ce sont les vêtements que nous aurons quand nous serons à la surface. Parce qu'on va aller à la surface, évidemment.
Alors, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'on essaye de découvrir ce qu'attendent de nous ces espèces de trois trucs de contrôle. La prochaine fois, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.